Aujourd'hui, on visite Porto. Et après, on se casse au soleil à Lisbonne. Ouais. Je kiffe le soleil, mais là, j'en ai pas vu les couleurs. Hein. Enfin, à part à Nantes. Bon, la météo, on est à Populo ici, on est à Mursa. La météo, c'est moche. Oh, il fait bon, hein? Non. Si, tu jures? Ah bah si. Tu vas voir, après, là, c'est parce qu'on est le matin et que tu te réveilles, mais... C'est comme hier, t'as dit... Ah bah en fait, si, il fait bon, c'est que j'étais pas réveillé. Ah oui, bah... Et bah il fait encore meilleur qu'hier. Ah ouais? Ouais, bah... Je sais pas trop si... Il y a de la flotte, en fait, à l'arrière. Je vais voir ça. Normalement, c'est bon, hein. Normalement. Ça n'a pas l'air mouillé du tout, ça m'a l'air tout bon. Je pense qu'on n'aura pas de pluie ensuite. Enfin, j'espère bien parce que là... Franchement, un peu marre de la pluie, quoi. On n'est pas venu là pour ça. Voilà comment c'est galère. D'ouvrir le coffre. Et là, paf! Avec les nouveaux vérins que j'ai mis là, et bah, il tient avec les deux vélos dessus. Avant, je sais pas si vous vous souvenez, dans les Bardenas, fallait tenir le coffre. On avait mis un espèce de gros bout de bois ici pour que ça tienne avec les vélos au-dessus. Ouais, non, ces vérins, c'est un délire. C'est 1200 newtons. Tout, même s'il fait bon, une tenue chaude. On va plier le lit. Si ça veut bien fonctionner. Putain, ça c'est... Ah, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Là, j'arrive pas à la pousser, donc faut prendre une technique un peu chelou. Et je vais la faire glisser comme ça, parce que ça est dur. Et voilà. Mais en vrai, le spot il est quand même beau. C'est gris, mais c'est trop beau ici. On est en hauteur. On voit toute la montagne autour de nous. Il y a des bois, enfin. C'est cool quand même, même s'il fait pas beau. C'est vraiment infect. En même temps, mettre de la moquette. Ce genre de tapis dans un van comme ça, c'est débile. Il y a le petit côté chaleureux pour les pieds le soir et le matin. Donc je laisse. J'ai ça. On se plaint, mais on est pas mal chanceux, hein. Là, alors c'est les sacs plastiques qu'on voyait hier, qu'on trouvait un peu glauque. Je sais pas ce que c'est, on dirait vraiment que c'est un truc... Ah, mais ils récupèrent la sève. La sève, on dirait des sapins. On va sortir un petit peu le drone. Viens par ici. Ah, c'est trop beau. On est sur un spot de ouf en vrai. Gino est en train de tester le drone. J'espère juste qu'il va pas le cracher. Normalement non, il y a les sécurités.
On est dans un endroit, il n'y a personne, on est tranquille. Il n'y a pas un chat. En vrai, dans un van, t'as intérêt de... Tout est au millimètre près. Et le problème, c'est que le coffre, il est rangé à l'arrache. Parce que j'ai pas la bonne forme et les bonnes dimensions des choses. Et c'est la merde, c'est chiant. Donc, on va essayer de fermer le coffre. Normalement, ça devrait passer. Ah, raté. Raté. Ça passe. Voilà. Bon, je sais ce qu'on va faire. On va secouer les pieds. Et en vrai, ça marche à peu près. Oula, par contre, ça remue. Allez. Je sais pas si tu vois la petite voiture blanche en bas qu'on est en train de croiser. Je t'avoue qu'on a eu un petit peu peur que ce soit les gardes forestiers parce qu'on savait pas trop si on avait le droit d'être sur le spot. Mais tout va bien, on est sur la route, on est parti. On a déjà bien avancé, il reste quoi? Il reste 59 km là, 58 km à faire avant d'arriver à Porto. Et bah là c'est une sacrée descente qu'on est en train de faire. En fait on monte pour redescendre, on fait que ça. Je pense qu'on est pas loin de Porto en fait, mais on se tape une route en pavé depuis au moins un quart d'heure. Ça vibre de partout là-dedans forcément, mais c'est mignon. On vient de voir un petit marchand là qui vend des cerises ouais, à la volée là sur le bord de la route. Donc on a fait demi-tour, on va s'arrêter, on va voir le prix. Alors en même temps, je connais pas trop le prix en France, donc ça va être difficile de comparer. Apparemment, ce sont des cerises de qualité. On va voir, hein. Ah, obrigado. White euro, thank you. White. Con efectivo. De efectivo. Has parado español. Porque aprendí a hablar portugués. Ah, sí, sí, sí. Mucho obrigado. Obrigado. Bye, bye. Yes. Bon. Je voulais 500 grammes, j'ai pas réussi à me faire comprendre. Mais on a des cerises. Elles sont belles, hein, elles sont hyper bonnes. On arrive enfin à Porto. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est trouver une place pour se garer. Mettre les vélos en sécurité. C'est chaud par contre. Il y a un mec là, on était arrêté au niveau des bouchons. T'as un gars qui vient, il sort de sa sacoche un sachet de bœuf, il dit toi Franz, tu veux un truc comme ça. C'est pas anodin quand même. Et t'as l'autre qui l'ont regardé en mode vénère quoi, il voulait. J'avoue, il était pas content qu'on prenne pas en plus, hein. Non mais. Normal. On vient de trouver un parking, on a eu peur que ça passe pas niveau hauteur barrière. Mais en fait ça va, finalement il y a pas de barrière, c'est pas souterrain donc c'est cool, on a vraiment de la chance. On venait à Porto, si c'est pas beau ça. Cette ville a l'air vraiment magnifique. Hein. Ah oui, non, elle tombe. Ça fait vite bordel quand même cette ville, mais c'est quand on regarde dans le détail, c'est joli. Il y a la fille juste derrière là qui est en train de... En fait, je pensais qu'elle nettoyait l'espèce d'armoire en métallique. Mais finalement, elle est en train de faire les dessins qu'on voit là juste sur le... Pareil, sur l'autre armoire métallique ici, et c'est pas dégueu hein, ce qu'elle fait. Franchement, c'est cool. Ça met un peu de couleur quand même dans la ville. Non, on va juste en bas là. On va se rapprocher du port pour chercher à manger. Mais c'est toujours touristique, 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 touristique partout. On se croira à Paris, c'est bruyant. À Paris, un petit peu plus beau quand même.
Voilà, ce genre de choses. Après, on est dans une grande ville. Puis on est en même temps sur la route. On est sur la route aussi. Après, c'est comme hyper mignon. Hein. Moi, je trouve ça joli. Ah, regarde quand c'est là. Ils font quand même peur. Là, j'essaie de faire un autre plan du pont. Putain, le délire. Eh mais ça, t'as réussi à les avoir? Et c'était vraiment tout près. Hein. On est dans les bouchons en sortant de Porto. Je suis content parce que c'est pas moi qui conduis. Tiens, bah voilà. Et je cale, j'ai plus faim. T'es en deuxième en même temps. Ah, c'est pour ça. Sur la route, on a vu ce bus qui apparemment avait été aménagé en restaurant. Ça avait l'air super sympa, mais malheureusement, on avait déjà mangé. Donc on a continué la route. On arrive au prochain péage. We don't have ticket. Oui, ah bah. On a pas de ticket, on n'en comprend rien à l'autoroute. Rien du tout. 48,30€. Il n'y a pas de solution et je peux pas reprendre à gauche là-bas. Comment? Merci. D'accord. Comment ça c'est avec toi? En gros c'est toi ta conscience quoi, je pense, tu te démerdes. Et c'est ta responsabilité. On arrive à la station essence. Et en vrai je regardais sur l'application Gasoil Now, je sais pas si tu connais, mais sur cette application tu peux voir un peu tout le prix des stations aux alentours, est-ce qu'elle est plus proche ou plus loin. Et bah apparemment, tout autour de nous, et même en Espagne, c'est ça fait partie des moins chers. Donc on va en mettre. Ma carte passe pas. Aucune carte bleue passe. Ni la mienne, ni celle de Gino, ni mes autres cartes.
c'est bizarre, putain. Parce qu'ils n'acceptent pas les euro-tickets, tickets restaurants, Visa, Maestro, Mastercard, International Card. Et en fait, ils disent qu'il y a un distributeur dans le magasin Intermarché et il faut leur tirer de l'argent liquide pour payer en liquide alors que c'est fermé. Il y a des locaux qui sont passés juste à la station, ils ont galéré aussi apparemment. Et je leur demandais s'ils ne pouvaient pas payer par carte et que moi je leur donne le liquide pour, que, bah, pour mettre de l'essence. Et là, ils m'ont dit, bah non, nous on a le même problème que toi et s'il faut bien nous suivre, suis-nous. Et alors on les suit. Donc c'était bien la petite station qui n'y avait pas très loin. On est bien. On est égal. Là, on galère à monter. La pente, elle est énorme. Et oh, punaise, première. Ouf. Là, on s'est un peu perdu dans la montagne en cherchant un spot pour la nuit. Mais de ce qu'on a vu sur internet, ce spot a vraiment l'air dingue. Oh là 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 là. What the fuck? Ça patine. Bah non, on passe pas. Je te laisse patienter jusqu'au prochain épisode pour savoir si on l'a trouvé. Sur ce, je te dis bonne nuit et à la semaine prochaine. Ciao.